Bon, caméra, micro, téléphone, on est tout bon pour passer une bonne vidéo. Yo tout le monde, c'était aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Et ben moi, ça va nickel. Voilà. Du coup, bah comme vous l'aurez vu dans le titre, on va se retrouver pour une vidéo FAQ. Donc je vous avais demandé sur Instagram, d'ailleurs mon Instagram qui s'affiche juste ici, ça fait plaisir. Je vous avais demandé de me poser des questions et vous avez été assez nombreux à me donner des questions et du coup bah à me poser des questions. Du coup bah ça me fait grave plaisir. Du coup bah on va Et je vais pas vous faire attendre les amis, on va aller directement voir les questions que vous avez posées. N'hésitez pas avant que la vidéo commence à lâcher un petit pouce bleu. Et puis nous on est parti pour la vidéo FAQ. Ok les gars, c'est parti pour la première question, donc une question de Nolan. Donc déjà merci à tous ceux qui m'ont envoyé des questions, ça me fait grave plaisir. Parce que bah sans vous il y aurait clairement pas eu de vidéo FAQ. Parce que voilà, j'ai pas fait une vidéo FAQ alors qu'aucun abonné m'a posé des questions. Première question de Nolan, comptes-tu refaire des vidéos à plusieurs? Ouais bah c'est d'ailleurs ça va arriver très bientôt. J'ai envie de faire plein de feats avec plein de youtubeurs, par exemple Wenex, Pablo Kess, Lazerty, enfin voilà plein de petits youtubeurs comme ça. Puis franchement ça me tient trop à cœur, je kiffe faire les feats parce que j'en ai fait qu'un sur ma chaîne YouTube, c'était celui avec Wenex et franchement j'ai adoré le faire. Alors je vais pas vous mentir que là c'est pas moi qui monte la vidéo, mais je vais pas vous mentir que quand j'ai monté le feat avec Wenex, quand j'ai monté cette vidéo, alors j'en ai chié, mais j'en ai clairement chié parce que j'ai galéré de ouf. D'ailleurs comme vous l'aurez pu le remarquer, le montage n'est pas non plus exceptionnel, il y a un peu des bugs de micro parfois parce que bah c'était clairement mon premier plus gros montage de ma chaîne YouTube et puis maintenant que j'ai un monteur bah c'est beaucoup plus facile. Du coup bah voilà Nolan, mon petit Nolan, je t'ai répondu à ta question. On a une question de Gab, tu vas acheter la PS5? Non, je vais pas acheter la PS5 parce que je me dis que bon là j'ai la PS4 et puis je vais surtout avoir bientôt un PC, donc normalement à Noël je vais avoir un PC. Je sais pas vous mais moi clairement je suis team PC que PS5. On a une question de Sin, c'est qui t'a donné envie de faire des vidéos continues comme ça BG? Bon, en tout cas merci beaucoup, ça me fait grave plaisir, ça me touche grave. Et qui c'est qui m'a donné envie de faire des vidéos? Et bah clairement en vrai j'ai pas quelqu'un qui m'a vraiment donné envie de me lancer, c'est vraiment un peu tout le monde. Par exemple à l'époque je pense à Jojol, à Technusen Test, à Squeezie, enfin vraiment c'est un peu tout le monde. Y a pas un youtubeur, surtout le YouTube Game, qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube. Avec qui, quel youtubeur aimerais-tu tourner une vidéo? Alors si j'ai une vidéo à tourner avec un youtubeur qui a déjà pas mal d'abonnés, et bah franchement ce serait avec soit Michou, soit Inoxtag, soit Joyka. Voilà, si vous passez par là les gars. Même si ça m'étonnerait que ça arrive. Mais si c'est un youtubeur en plus petit quoi, comme moi, ce serait par exemple je peux penser à Pablo Kess comme je vous l'ai dit, mais vous inquiétez pas, ça va arriver de toute façon. On a une question de Kyoren, quel est ton projet pour l'avenir? Bah mon projet, j'en ai pas mal. Déjà la Paris Games Week cette année je devais y aller, mais bon ça a été annulé à cause du coronavirus. Du coup bah j'espère que l'année prochaine on pourra y aller hein, à la Paris Games Week. Voilà, mais en plus ce qui est bien, il y a un seul avantage de la Paris Games Week cette année, que ça a pas eu lieu, c'est que ça me laisse encore une année pour encore avoir des abonnés et percer. Du coup voilà, l'année prochaine je serai à la Paris Games Week si tout se passe bien avec le corona et tout. Mais normalement j'y serai. Et puis quel est mon projet pour l'avenir? Par exemple, voilà, moi après je sais rien, le bouseux si tu passes par là, peut-être m'installer au local, voilà. Mais bon ça c'est un peu visé haut quoi. T'as quel âge? Alors j'ai 15 ans. Quel est ton meilleur jeu vidéo? Mon meilleur jeu vidéo c'est comment il s'appelle mon meilleur jeu vidéo, j'ai déjà oublié. GTA 5. Mon meilleur jeu vidéo c'est GTA 5. Franchement je kiffe, c'est trop bien. J'ai hâte d'ailleurs qu'il sorte le GTA 6. Et puis voilà. Elvan, le prix de ton setup et décor. Le prix de mon setup et de mon décor. Alors le prix de mon setup, si je compte pas avec le PC, c'est un bureau, une caméra, un micro. C'est aux alentours des 1000 euros, je pense. Je pense que là mon ça, micro, caméra, softbox, ça tourne aux alentours des 1500 euros. Mais bon si je prends avec le PC, le triple screen et tout, ça va 1000 euros peut-être. Est-ce que tu fais des sports extrêmes comme le skate, la trotte, etc.? Non, je fais aucun sport extrême. Voilà pour ta question. Est-ce que tu as un objectif précis en termes d'abonnés, genre 100K? Clairement, j'ai pas d'objectif. Mon plus grand rêve, comme vous le savez, c'est de vivre de ma passion, c'est-à-dire finir youtubeur. Mais j'ai pas d'objectif précis d'abonnés, c'est de faire le maximum possible sur YouTube. N'oubliez pas de mettre le code créateur dans la boutique Fortnite Geek and Tech. Voilà, c'est Foxy qui le dit. Ça fait plaisir. Est-ce que tu as une bonne communauté? Clairement, je kiffe ma communauté parce que voilà, on est
4500, c'est vrai, sur la chaîne. On fait pas plus de 1000 vues. Mais bon, franchement, j'aime bien ma communauté. On est chill. J'aime bien être en groupe de communauté. Moi, je trouve ça assez chill. Ça fait combien de temps que tu es sur YouTube? Ça va faire 3 ans. 3 ans et bientôt 3 ans et demi. Voilà, ça fait plaisir. Et c'est qui tes youtubeurs préférés? Alors, mes youtubeurs préférés, c'est Michou, Joyka, Le Bouzeux, Squeezie. Et puis voilà. Et après, j'en ai plein d'autres. Et puis, bah voilà, les gars, j'ai pu. Enfin, voilà, vous m'avez posé toutes vos questions. Je vous ai tous répondu. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si c'est le cas, enfin, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. À vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis, moi, je vous dis ciao.